Bonjour, je m'appelle Frichet Médiri, installé sur la commune de Rojac, dans le 37. Je suis un ancien éleveur de vaches à viande, un système d'essorisateur. Et aujourd'hui, j'ai monté un atelier de repousse avec l'aide d'une expérience pour faire les animaux finis pour l'Italie. Bienvenue sur l'exploitation de Thierry Fréciani, un système en polyculture élevage sur 100 hectares, en plein cœur du Lot-et-Garonne. En plus de conduire techniquement diverses cultures de vente, Thierry a la fibre animale en lui. Cet ancien éleveur de vaches blondes aquitaines s'est spécialisé en 2018 dans la repousse de veaux pour l'Italie. Cette activité est menée en étroite collaboration avec la coopérative Expalliance, pour qui Thierry effectue une prestation de service en système intégré. Expalliance, c'est plusieurs milliers de bovins commercialisés chaque année, grâce notamment à un centre de tri, 3 centres de repousse en interne et 6 en externe, dont l'ERL Marensin fait partie. La coopérative fournit aux éleveurs les veaux, qui arrivent entre 6 et 8 mois, l'aliment selon un cahier des charges bien précis et les traitements. L'éleveur, lui, s'occupe du suivi quotidien, rythmé entre alimentation des jeunes bovins, soins et pesées. 4 à 5 bandes de près de 200 animaux sont allotés chaque année sur cette exploitation. L'éleveur touche une somme par jour et par veau, l'objectif étant, en 90 jours et 1500 g de gain moyen quotidien, d'avoir des veaux ayant atteint un poids défini dans le cahier des charges pour ensuite être exportés vers les marchés italiens, mais aussi belges et hollandais pour l'engraissement. Un système linéarisé autant sur le volet travail que financier, que vous aurez le plaisir de découvrir lors du Aquitanimatour 2023.